madame, bonsoir monsieur, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à vous tous, tous les internautes, un grand bonsoir ou bonjour à tout le monde, ça dépend du lieu où vous nous écoutez. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur cette page Facebook ou bienvenue également sur les 97,3 MHz, c'est la bonne FM de la radio FM Espoir en Martinique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors, je vous rappelle à toute fin utile, comme à l'accoutumée, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton, donc juste en bas, abonnez-vous, cliquez sur ce bouton et cochez la notification afin que vous soyez averti dès que nous sommes en ligne pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, c'est une opération qui est entièrement gratuite, qui ne vous engage absolument à rien. Chers auditeurs, vous vous déconnectez, désabonnez, quand vous le souhaitez, c'est libre, totalement, entièrement libre. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a deux téléphones à votre entière disposition. C'est le 05 96 52 64 17. Il y a aussi un portable, c'est le 06 96 76 94 90. Et là, vous pouvez envoyer vos textos, vos messages ou vos WhatsApp. Nous nous ferons un réel plaisir de répondre à toutes ces choses. Alors, nous avons commencé la fois dernière une série d'enseignements sur l'importance du Père spirituel. Ce soir, nous aurons notre dernière étude sur cette thématique-là. Dernière étude, on va essayer de terminer en beauté. Nous ne serons pas longs ce soir. Je me permettrai déjà dès maintenant de vous rappeler de partager la vidéo. N'oubliez pas, très important, s'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez la vidéo, partagez cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse. Daniel Surbon Ministry vous propose une chaîne YouTube spécialisée dans l'édification des chrétiens avec des vidéos extraordinaires, études bibliques approfondies, des vidéos tutoriels pour nouveaux baptisés, nouveaux convertis, intitulées « Mes premiers pas en Jésus ». Daniel Surbon Ministry, c'est aussi deux lieux de culte, Citadelle de la Vérité, Martinique, Salle Caravelle Squatch Hotel à Schœlcher. Citadelle de la Vérité France, Hôtel du Golfe, 4 rue de Rome, 93-110, Rosny-sous-Bois. Culte d'adoration tous les dimanches dès 10h. C'est également une radio, Radio FM Espoir, 97,3 MHz, mais également sur internet www.fmespoir.fr et sur vos téléphones portables, iPhone et Android avec nos applications gratuites. Daniel Surbon Ministry, tout pour la gloire de Dieu, rien que la gloire de Dieu. Infoline 06 96 76 94 90. Nous allons donc faire, comme à l'accoutumée, un petit résumé de ce qu'on a vu la fois dernière. Très simplement, chers auditeurs, alors le temps de vous mettre tout ça à l'écran, on va résumer un peu ce qu'on a vu donc la fois dernière. Nous sommes dans le cadre de cette émission. Nous sommes en train de voir, chers auditeurs, l'importance du Père, donc du Père spirituel. À la fois dernière, on a vu plusieurs choses très intéressantes. Alors, on a vu, bien-aimés, chers auditeurs, chers internautes, premièrement, on a vu, chers auditeurs, qu'il faut qu'il y ait des choses pratiques à faire à l'égard de votre Père spirituel. Donc, des choses pratiques à faire à l'égard de votre Père spirituel. La première des choses pratiques qu'il faudra faire, c'est que s'il y a un problème entre vous, un malentendu ou une incompréhension entre vous et votre Père spirituel, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller demander pardon. Autrement dit, de régler ce problème. Alors faites ça, si c'est le cas, faites ça. Régler ce problème. Deuxième chose importante qu'il faudra faire, des choses pratiques à faire à l'égard de votre Père spirituel, bien-aimé, c'est qu'il faudra apprendre à obéir à votre Père spirituel. On a vu ça la fois dernière. Troisième chose pratique qu'on a vue à faire à l'égard de votre Père spirituel, il va falloir faire valoir l'héritage de votre Père spirituel. Donc, la fois dernière, on a vu ces trois choses importantes à faire à l'égard de votre Père spirituel, chers auditeurs. Très important à faire rapidement ces choses. Il y en a 5 en tout, mais on a vu ces trois premières choses à faire. Alors, pour ceux, bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas eu cet enseignement de la fois dernière,
Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez y retourner juste en bas dans la description de cette vidéo, juste en bas de l'écran, dans la description. Je vous mettrai les liens qui vous permettront de retourner sur les anciennes études que j'ai eu l'occasion de faire sur cette thématique-là, donc l'importance du père spirituel. Et nous avons vu, donc la fois dernière, ces trois points, ces trois premières choses à faire, donc à l'égard de votre père spirituel, des choses pratiques à faire à l'égard de votre père spirituel. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, en ce jour, nous allons voir ensemble d'autres choses à faire à l'égard de votre père spirituel. On va voir, bien aimé, ensemble qu'il faudra donc honorer votre père spirituel. Quatrièmement, il faudra aussi l'honorer, et on verra ça donc ce soir. Et cinquièmement, on verra aussi, très important là également aussi, qu'il faudra que vous puissiez prier, n'est-ce pas? Priez pour votre père spirituel. Donc, deux points que nous verrons ce soir, si vous le voulez bien. Quatrièmement, on va voir ce soir comment honorer son père spirituel. Cinquièmement, nous verrons comment prier pour son père spirituel. C'est très, très important de savoir ces choses, des choses pratiques qui nous béniront en retour, des choses pratiques que nous aurons à faire à l'égard de notre père spirituel. Mais juste avant de commencer ces deux points-là, je vous invite à regarder ceci. Radio Femme Espoir et la Citadelle de la Vérité vous proposent une série de petites vidéos intitulées « Mes premiers pas avec Jésus ». Oui, des petites vidéos de moins de 5 minutes compactes, précises, efficaces pour les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés et pour l'évangélisation. Simple, dynamique, facile à transmettre gratuitement par WhatsApp. Recevez-les gratuitement sur simple demande au 05 96 52 64 17 ou au 06 96 76 94 90. Une production gratuite de Radio FM Espoir. FM Espoir, toujours plus et encore plus. Plus. Voilà, donc de retour avec vous. Merci en tout cas d'être là toujours avec nous. N'hésitez pas de partager la vidéo, chers auditeurs, c'est très important pour nous encourager. Alors, on va voir, premièrement, on va voir comment honorer notre père spirituel. Comment honorer notre père spirituel? Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on entend? Comment peut-on définir honorer un père spirituel? Que veut dire en fait honorer son père spirituel? Parce que souvent, on entend dire qu'il faut honorer notre père spirituel, mais j'ai remarqué une chose, c'est que ça dépend du pays où on est. Souvent, dans certains pays, comme je viens de dire, anglophones et africains, quand on parle d'honorer le père spirituel, on parle surtout d'argent, lui apporter le bénir financièrement. C'est en partie vrai, mais il n'y a pas que ça. Surtout, il n'y a pas que ça. Donc, mais je voudrais humblement vous faire comprendre un peu ce qu'on devrait entendre par le fait de dire qu'on doit honorer son père spirituel. Alors, qu'est-ce que honorer son père spirituel? On va voir ça ensemble, chers auditeurs, et sans plus tarder. Alors, honorer son père spirituel, bien-aimé, c'est déjà premièrement respecter ses opinions et ses idées, même si elles diffèrent des nôtres. Je dis bien, honorer son père spirituel, c'est d'abord, en prime abord, apprendre à le respecter. Respecter ses opinions et ses idées, même si on pense autrement que lui. Il y a 9 points qu'on peut englober dans le fait de dire qu'on honore son père spirituel. Dans ce package qui consiste à honorer son père spirituel, il y a 9 choses importantes donc à retenir. Premièrement, cher Bill, mes chers internautes, honorer son père spirituel, c'est respecter ses opinions et ses idées, même si elles diffèrent des nôtres. Première chose. On peut avoir des idées différentes que lui. On peut voir les choses autrement que lui. Parce que nous sommes des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des copies conformes, on n'est pas des duplicata les uns des autres. Dieu nous a créés différemment. Donc tu peux être différent de ton père spirituel, mais tu dois quand même apprendre à respecter ses opinions et aussi ses idées, même si ça diffère de tes propres idées. Deuxièmement, bien-aimé, reconnaître ses compétences, son expertise et son expérience. Donc, deuxièmement, bien-aimé, il faut humblement qu'en tant que fils, et fille, on apprenne à reconnaître que notre père spirituel a des compétences et a une certaine
expérience, on doit pouvoir respecter ça et ne pas penser qu'on est mieux que lui. Quand tu honores ton père spirituel, tu reconnais ses qualités, tu reconnais son expertise, tu reconnais son expérience, tu mets ces choses-là en valeur et tu le respectes par rapport à cela. Troisièmement, bien-aimé, quand tu honores ton père spirituel, eh bien, tu dois lui exprimer ta gratitude pour ce qu'il a fait pour toi. Tu dois apprendre à être reconnaissant. Trop souvent, nous rencontrons des fils et des filles spirituelles qui sont ingrats et qui sont ingrates, qui n'ont pas de reconnaissance. Ton père spirituel t'a aidé. Quand tu avais besoin de prière, il était là. Quand tu avais besoin de soutien, il était là. Il a toujours été là pour toi. Tu l'appelles à n'importe quelle heure, il répond. Il a toujours du temps pour toi. Non, je crois qu'on doit exprimer beaucoup de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, troisièmement, exprimer ouvertement, n'est-ce pas, audiblement s'il le faut, exprimer sa gratitude, autrement dit son remerciement pour ce qu'il a fait pour toi. Très important d'être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Quatrièmement, bien-aimé, cher auditeur, cher internaute, être poli, être courtois envers lui. On ne parle pas n'importe comment à son père spirituel. Je reprends, je redis, on ne parle pas n'importe comment à son père spirituel. Très important, bien-aimé, être poli, être courtois envers lui. Ce n'est pas la peine de crier sur ton père spirituel, de lui parler n'importe comment. Non, tu dois avoir du respect pour lui, lui parler poliment, lui parler avec courtoisie, cher auditeur. C'est très important. Ce sont des choses qui englobent le fait d'honorer votre père spirituel. Donc, déjà, on peut déjà s'arrêter un instant pour résumer ce que j'entends par honorer son père spirituel. Premièrement, il faut donc respecter ses opinions et ses idées. Si elles diffèrent des nôtres, ce n'est pas un problème. Respecter ses opinions. Deuxièmement, reconnaître ses compétences, son expertise et son expérience. Très important. Troisièmement, exprimer sa gratitude pour ce qu'il a fait pour toi. Autrement dit, être reconnaissant. Ne pas être un fils ou une fille ingrate. Quatrièmement, bien aimé, être poli et courtois. Et on va continuer encore parce qu'il y a 9 choses à faire quand on honore son père spirituel. Cinquièmement, bien aimé, éviter de porter des jugements hâtifs ou de tenir des propos dénigrants à son égard. Autrement dit, bien aimé, parfois, tu peux entendre des paroles sur ton père spirituel. Moi, j'ai des fils. Amen. Ils peuvent entendre des choses sur moi. Hein? C'est pas la peine de courir, cautionner tout ce que tu entends sur l'homme de Dieu, sur ton père spirituel, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruits qui peuvent circuler sur lui. C'est un fait. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu peux entendre sur ton père spirituel. C'est de la réalité. Mais tout ce que tu entends n'est pas forcément vrai. Amen. Il y a beaucoup de colportage. Il y a beaucoup de médisance. Tu n'as pas à colporter, tu n'as pas à aller médire sur ton père spirituel. Ne te joins pas, ne t'associe pas au colporteur, ne t'associe pas à ceux qui aiment calomnier, qui aiment médire, qui aiment répéter, qui aiment critiquer, qui aiment juger les hommes de Dieu. Ton père spirituel, c'est ton père spirituel. Tu n'as pas à prendre des paroles dans son dos, écouter ce qu'il a calomnié, ce qu'il a critique. Non, ce n'est pas une bonne chose, mon ami. C'est péché, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Tu ne dois pas agir ainsi. Donc, cinquièmement, éviter ça, cher auditeur. Éviter, donc, cinquièmement, de porter des jugements hâtifs ou de tenir des propos dénigrants à son égard. Et sixièmement, cher auditeur, donc, lui accorder de l'attention et de l'écoute lorsqu'il te parle. Bien-aimé, amen. Autrement dit, cher auditeur, on doit pouvoir, n'est-ce pas, apprendre, et si vous voulez, à écouter lorsqu'il nous parle, être attentionné, être comme un fils, bien-aimé, sait écouter. Lorsqu'un père parle à son fils, le fils devait pouvoir dire, mon père me parle, j'écoute. Pas une écoute légère, pas une écoute médiocre, mais une écoute attentive. Tu dois pouvoir être attentionné, attentif, à ce que ton père te dit lorsque tu lui parles. Alléluia, c'est très important, bien-aimé, ces choses-là.
Et on va voir, bien-aimé, tout de suite, septième chose à faire lorsqu'on honore son père spirituel, bien-aimé, eh bien, on sait lui rendre hommage. On lui rend hommage en public ou en privé, peu importe. Tu sais rendre donc hommage à ton père spirituel. Autrement dit, tu sais dire du bien de lui. Tu sais reconnaître ses qualités, pardon. Tu sais dire oui, dire du bien de l'homme de Dieu qui t'a enfanté. C'est ton géniteur spirituel. Il t'a engendré, il t'a enfanté. Lui rendre honneur, honorer ton père spirituel. Donc, septièmement, c'est lui rendre hommage, publiquement ou en privé, ou même devant lui. Faut savoir être reconnaissant. Faut savoir rendre hommage à ton père spirituel. Huitièmement, cher auditeur, huitième chose que tu fais lorsque tu honores ton père spirituel, il faut être digne de confiance et respecter sa vie privée. Ah oui, parce que même si c'est ton père spirituel, mon aimé, il a une vie privée. Tu dois pouvoir respecter sa vie privée. Tu n'honores pas ton père spirituel si tu ne respectes pas sa vie privée. Amen, mon aimé. Il faut que tu sois digne de confiance. Il peut te confier des choses. Amen. Est-ce que ton père spirituel peut te confier des choses? Amen. Est-ce qu'il peut te confier des choses? Est-ce que tu es à la hauteur? Parce que c'est un être humain. Est-ce qu'il peut te confier des choses? Est-ce que tu ne seras pas de ceux qui colportent, qui vont médire, qui vont pour répéter? Est-ce que tu ne seras pas de ceux-là? Donc, sois digne de confiance. Huitièmement, sois digne de confiance. Tous ces huit points que nous venons de voir à l'instant font partie de l'ingrédient, font partie du fait d'honorer ton père spirituel. Et il y a un neuvième point que nous allons voir maintenant, chers auditeurs, neuvième chose à faire quand tu honores ton père spirituel, bien-aimé, eh bien, lui apporter un soutien financier ou matériel si nécessaire. Ça fait partie aussi. Lui apporter un soutien financier ou matériel si nécessaire. Pourquoi je dis si nécessaire? Parce qu'il arrive que ton père spirituel n'ait pas besoin de soutien financier ni matériel. Il arrive que ton père spirituel soit un homme béni et au contraire, c'est lui qui t'aide. Ça peut arriver. Mais il peut arriver que tu aies un père spirituel qui soit dans le besoin. Amen. Ça peut arriver, bien-aimé, que tu aies un père spirituel qui soit dans le besoin, qui ait besoin d'une aide financière. Et toi, qui es son fils, tu as les capacités financières, tu peut-être gagnes plus que lui, et que tu touches bien, tu as un beau travail, tu as une belle entreprise qui fonctionne bien, ce serait bien que tu apprennes à honorer ton père spirituel en lui apportant un soutien financier à titre personnel. Je ne parle pas de ta dîme que tu mets à l'église. La dîme que tu mets à l'église, bon, c'est pour les différentes affaires de l'église. Mais je parle en tant que fils. Tu peux faire un don à ton père spirituel. Tu peux faire un don financier ou lui apporter un présent pour l'honorer ou lui apporter un soutien financier si besoin, si nécessaire. C'est important de savoir ces choses, bien-aimé. Parce que souvent, bien-aimé, on pense que honorer le père spirituel, c'est seulement ça. C'est lui apporter de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Nous ne sommes pas en Afrique, nous ne sommes pas dans les pays anglophones. On veut quand même, sans juger qui que ce soit, on veut, sans juger mes frères africains, hein, rassurez-vous, on veut seulement essayer d'être juste. Honorer quelqu'un, ce n'est pas seulement financier. Honorer quelqu'un, ce n'est pas seulement lui apporter de l'argent. Honorer quelqu'un, c'est le respecter. Respecter ses opinions, ses idées. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître ses compétences, son expertise, son expérience. Honorer quelqu'un, c'est exprimer envers lui de la gratitude. Honorer quelqu'un, c'est aussi être poli lorsqu'il te parle, savoir l'écouter. Honorer quelqu'un, c'est éviter de colporter dans son dos. Honorer quelqu'un, c'est aussi lui accorder de l'attention, de l'écoute. C'est lui rendre hommage. Il y a toutes ces choses qu'on fait envers quelqu'un lorsqu'on l'honore. Et nous sommes invités à honorer notre père spirituel. Donc voilà les 9 points que tu devrais mettre en pratique si vraiment tu veux honorer ton père spirituel. Nous allons maintenant voir des versets, chers auditeurs,
donc des versets pour continuer à comprendre donc toutes ces choses. Pour commencer, on va lire dans Philippiens, chers auditeurs, chers amis internautes, Philippiens 2 et le verset 29. Philippiens 2 et le verset 29. Philippiens 2 et le verset 29. Nous lisons pour vous, chers auditeurs, sans plus tarder. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, verset 30, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Alors voilà, donc c'est Paul qui parle ici. Paul nous dit ici, honorez de tels hommes. Donc il y a des hommes qu'on ne doit pas honorer, mais il y en a qu'on doit absolument honorer. L'apôtre Paul dit, honorez de tels hommes. Il faut les recevoir, il faut les honorer parce qu'ils nous ont aidés, ils nous ont enfantés, ils ont fait tout leur possible pour que nous ayons un bon enseignement. Ils se sacrifient. Vous ignorez, chers auditeurs, chers internautes, le temps que ça prend de faire une étude biblique. Et le père spirituel, il enseigne, n'est-ce pas, ses enfants. Il prie pour eux. Ça demande du temps, ça demande du sacrifice. Parfois, en tant que père, on s'oublie soi-même pour penser à son fils, pour penser à sa fille. On se met de côté, on s'oublie soi-même. On pense à sa fille, on pense à son fils. Et ici, l'apôtre Paul dit, honorez de tels hommes. Il faut les honorer, bien-aimés, chers auditeurs. Alors, ne confondez pas honorer et adorer. Je ne parle pas d'adoration ni de vénération. Je parle d'honorer de tels hommes, de rendre hommage à de tels hommes. C'est Paul qui le dit donc dans Philippiens 2 et le verset 29. Et on va voir aussi, bien-aimés, que plus loin, Paul le dit également à Timothée. Paul le dit encore à Timothée, on va le voir tout de suite, chers auditeurs, dans Timothée 1 Timothée 5, verset 17. On prend notre Bible dans 1 Timothée 1, verset 17. Je vous le mets à l'écran afin que vous puissiez le lire en même temps que moi. 1 Timothée 5 et le verset 17 par la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, verset 17 par la grâce de Dieu, chers auditeurs. On va lire ça ensemble. 1 Timothée 5, verset 17. Nous lisons que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. Je reprends ce très beau passage. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais l'apôtre Paul, ici, il est clair. Il dit que ceux qui travaillent à l'enseignement doivent être doublement honorés. Amen. Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Et souvent, c'est comme ça. Ton père spirituel est quelqu'un qui enseigne. Souvent, je dis bien pas dans tous les, c'est pas dans tous les cas, mais souvent, nous avons un père spirituel qui est soit pasteur, soit prédicateur, ou soit qui enseigne. Et ici, Paul nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Et surtout, il dit, précise bien, surtout ceux qui travaillent dans la prédication. Vous avez toute la base biblique pour que vous puissiez apprendre à distinguer, à honorer votre père spirituel. Je ne dis pas ça parce que je suis père spirituel, parce que je souhaite. Non, bien-aimé, non. Je dis ça parce que c'est la vérité. Je dis ça parce que c'est la simple vérité. Nous devons, en tant que fils, apprendre à honorer, avoir de la considération pour notre père spirituel, surtout lorsqu'il enseigne. Autrement dit, surtout lorsque c'est un pasteur. Surtout lorsque c'est un enseignant, tu dois encore doublement l'honorer. Obéis, même si tu ne veux pas m'écouter, moi, le frère Subon, au moins écoute Paul. Écoute, fais ce que dit la Bible. N'est-ce pas, cher auditeur? Honore ton père spirituel. Amen. Toujours dans le quatrième point où nous sommes en train de voir comment honorer notre père spirituel, on va lire dans Hébreux 13, le verset 17, cher auditeur. Hébreux 13, le verset 17, je lis pour vous sans plus tarder. Hébreux 13, le verset 17 que je lis pour vous. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera d'aucun avantage pour vous. Amen, bien-aimé. Donc,
il est dit ici clairement, Paul dit, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit clairement ici, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Paul qui a écrit cette épître-là. Des théologiens pensent que c'est lui qui l'a écrit, d'autres pensent que ce n'est pas lui. Peu importe qui l'a écrit, c'est écrit et c'est le plus important. Alors, il dit ici, obéissez à vos conducteurs, n'est-ce pas? Un père spirituel est un conducteur. Il te conduit dans le droit chemin. Il t'a conduit à Christ. Donc, un père spirituel, souvent, est un conducteur. C'est lui qui t'a conduit à Christ. C'est lui qui t'a conduit à l'Évangile. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence. Tu ne peux pas agir avec ton père spirituel comme tu agis avec un commun des mortels. Non. Tu dois honorer ton père spirituel. Regardez la suite. Car il veille sur vos... N'est-ce pas? Il veille, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ça veut dire que moi, j'aurai des comptes à rendre pour mes fils et pour mes filles. C'est pas, il n'y a pas de gloire humaine à dire que j'ai des filles et des fils. Un père qui a beaucoup d'enfants, c'est un père qui a beaucoup de responsabilités, qui a de grands devoirs. Et si moi je dis que j'ai beaucoup de fils et de filles spirituelles, ce n'est pas une gloire humaine que de dire cela, mais c'est une grande responsabilité que j'ai à l'égard donc de mes fils et de mes filles. Il est dit que nous aurons des comptes à rendre. Nous, en tant que pères spirituels, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour cela. Bien-aimé, et la suite est intéressante aussi. Et non en gémissant, ce qui pour vous ne serait d'aucun avantage. C'est-à-dire que si ton père spirituel il est frustré, si il n'est pas reconnu, s'il n'est pas honoré, il fera le travail, mais en gémissant, en se plaignant. Parce que quand tu as des fils qui n'obéissent pas, qui ne marchent pas dans le droit chemin, en tant que père, tu gémis, tu souffres. Ce qui... Pour l'enfant, ça n'a aucun intérêt. Tu n'as aucun intérêt, autrement dit, à avoir un père qui t'éduque en gémissant. Je dis bien, je redis. Tu n'as aucun intérêt à avoir un père spirituel qui s'occupe de toi en gémissant. C'est bien ce que veut nous dire ici l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Si tu agis bien avec ton père spirituel, il sera heureux de travailler avec toi. Il sera dans la joie de te faire progresser. Il sera dans la joie de t'enseigner. Il ne le fera pas en gémissant. Mais quand nous sommes ingrats avec notre père spirituel, on le méprise. Il continue à enseigner. Il continue à t'éduquer. Mais il le fait en gémissant. Ça ne nous rapporte absolument rien. Je prends l'exemple d'une femme qui allaite. Une femme qui a un bébé et qui allaite son enfant. Et qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps aigri. On dit que ça passe dans le lait du bébé. Et le lait devient un poison à ce moment-là. Parce que la femme est tout le temps aigrie, elle est tout le temps fâchée, ça ne va pas à la maison, et elle allaite un enfant. Et elle doit être dans de bonnes conditions, n'est-ce pas, pour allaiter son enfant. Mais si le mari n'est pas fidèle, elle est en tant que mère, elle est toujours angoissée, toujours en train d'être dans la colère, eh bien, en fait, elle allait être un enfant, mais le lait se transforme en poison. Il n'est pas bienséant de mépriser un père spirituel. Il continuera à travailler pour l'Église. Il continuera à travailler pour le corps de Christ. Mais la Bible dit en gémissant. Il le fera en gémissant. Et ce qui ne sera pour toi d'aucune utilité. C'est écrit noir sur blanc dans ce verset. Ce qui ne sera pour vous d'aucun avantage. Est-ce que vous comprenez ces choses, chers auditeurs? Tu peux dire amen si tu comprends ces choses-là. Tu peux dire amen, tu peux dire gloire à Dieu. Je comprends, pasteur, continue. N'est-ce pas, chers auditeurs? Amen. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et cinquièmement pour terminer, je dis bien cinquièmement pour terminer, nous verrons ensemble, bien-aimés, qu'il faut prier, toujours prier pour son père spirituel. Souvent, nous demandons au père de prier pour nous. Nous aimons aller voir le père spirituel pour qu'il puisse prier pour nous. Nous l'appelons au téléphone, prie pour moi. Nous sommes tout le temps en train de l'appeler, de gémir, de l'appeler, prie pour moi. Mais est-ce que toi tu pries pour lui? N'est-ce pas?
On va voir des versets bien-aimés ensemble, donc par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là pour être béni ce matin? Amen, ce soir du moins. On va lire dans Éphésiens 6 et le verset 19. Prenez vos Bibles dans Éphésiens 6 et le verset 19. Je lis pour vous. Priez pour moi. C'est Paul qui parle. Il dit, priez pour moi. Il demande la prière. Paul est un père spirituel. Il a dit aux Corinthiens, vous avez 10 000 mètres en Christ, mais vous n'avez qu'un seul père. Et c'est moi qui vous ai enfanté. Donc Paul se considérait comme un père spirituel. Et là, il demande aux Éphésiens, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'heure est arrivée. Ton père a beaucoup prié pour toi. Mais l'heure de la redevance est arrivée. Maintenant, tu dois toujours penser à ton père spirituel dans la prière. Et quand tu pries pour ton père spirituel, quand tu demandes à Dieu de le bénir, tu te bénis toi-même. Amen. Prier pour son père spirituel. Bénir son père spirituel, c'est se bénir soi-même. Quand ton père est béni, tu es forcément aussi béni, n'est-ce pas? Quand ton père est dans la prospérité, tu deviendras toi aussi prospère. Tu pries pour lui, ça va retomber sur toi. Tu vas être béni à ton tour. Alors, mon ami, fais comme Paul dit ici. Amen. Prie pour ton père spirituel. Paul dit ici, au verset 19, priez pour moi. Et moi, en tant que père spirituel, vous, mes enfants qui me regardez peut-être, je vous demande de prier pour moi. J'en ai besoin. Je prie pour vous, vous priez pour moi. Ça, c'est l'amour. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais s'il n'y a que moi qui prie pour vous, ça n'a pas de sens. Vous devez aussi prier pour moi. C'est que votre père spirituel qui prie pour vous, ça n'aura pas de sens. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas la réciprocité. Il doit y avoir réciprocité en matière de prière. Il y a un moment, bien-aimé, où on arrive dans la vie, où on doit arriver à une dimension de rendement. Amen. Où on doit commencer, bien-aimé, à donner aussi, à bénir les autres aussi. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est pas toujours les autres qui prient pour vous, mais vous devez aussi prier pour eux. Surtout pour le Père spirituel. Oh, chers auditeurs, soyez donc bénis. On poursuit donc par la grâce de Dieu un dernier verset. Alors nous lisons donc un dernier verset donc pour nous encourager, qui nous encourage, n'est-ce pas cher ami, à prier pour notre Père spirituel. Un dernier verset, cher auditeur, dans Romains chapitre 15, le verset 30. Je vous l'ai mis à l'écran. Nous lisons donc ce verset sans plus tarder. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. D'accord, bien-aimé? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le prince des apôtres, demande la prière. Il a besoin de prière. Amen. Bien-aimé, on peut être père spirituel, on peut être apôtre, on peut être prophète, on peut être pasteur, on a besoin de prière. Amen, chers auditeurs. Souvent, bien-aimé, nous sommes toujours en train de quémander la prière du pasteur, nous sommes toujours en train de quémander la prière du prophète, nous sommes toujours en train de courir derrière les prophètes à droite et à gauche, mais depuis quand as-tu prié pour le prophète que tu vas voir? Amen. Quand est-ce que tu as prié pour le pasteur? Quand est-ce que tu as prié pour ton père spirituel? Je te pose la question, mon ami. Amen. Examine-toi toi-même. Et est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a un manque de réciprocité? Amen, aimé. Nous sommes, beaucoup de chrétiens sont arrivés à l'heure de la redevance. Je reprends, je redis. Beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau de la redevance. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans votre vie à un stade où il faudra que vous commenciez à rendre. Dieu vous a béni. Dieu s'attend à un retour sur investissement. Autrement dit, vous allez maintenant, les autres ont prié pour vous.
l'homme de Dieu qui est votre père spirituel a prié pour vous. Depuis des années, il vous suit. Il vous encourage. Il vous exhorte, il vous encourage. Il prie pour vous, il jeûne pour vous. Maintenant, je crois que tu es arrivé à un stade où tu dois devenir adulte et pas bébé au lait. Mais que tu dois commencer à comprendre que tu dois aussi maintenant prier pour lui. Alléluia, tu dois commencer à prier pour lui. Dieu vous bénisse, auditeur. En tout cas, j'étais heureux de faire cet enseignement avec vous, que Dieu m'a mis à cœur vraiment de faire avec vous sur l'importance du Père spirituel. Alors, pour ceux qui ont raté les premières études bibliques à ce sujet, je mets pour vous dans la description en bas de la vidéo tous les liens qui vous permettront de réécouter, si vous le souhaitez, les premiers enseignements sur ce thème, l'importance du Père spirituel. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle série d'enseignements. Dieu vous bénisse et à très bientôt.